Salut mec, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Antonio Rudiger au Real Madrid. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche de notification. Ça reste, c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et on est parti pour parler de l'arrivée d'Antonio Rudiger au Real Madrid. Nouveau rebondissement dans le dossier Antonio Rudiger. Le Real Madrid s'apprête à boucler sa première recrue pour la saison 2022-2023. Selon les dernières révélations du journaliste italien Fabrizio Romano, le Real Madrid a conclu un accord avec Antonio Rudiger. Le défenseur allemand termine son contrat avec Chelsea le 30 juin prochain et devrait donc rejoindre libre le club merengue à la fin de la saison. L'annonce fait écho aux dernières déclarations de Thomas Tuchel qui avait annoncé le départ de son joueur cet été après la victoire à domicile contre West Ham 1-0 ce dimanche. Rien n'a encore été signé cependant, il s'agit d'un simple accord verbal entre les deux parties. Le journaliste évoque un contrat à long terme de 4 ans pour l'international allemand, soit jusqu'en juin 2026. Rudiger pourrait signer avec le Real Madrid dans les prochains jours, courant mai, d'après Romano. Néanmoins, l'officialisation du transfert ne se fera pas avant la fin de la saison 2021-2022. Donc les gars, Antonio Rudiger au Real Madrid, ça chauffe de plus en plus. Comme je vous l'ai dit précédemment, le Real Madrid a conclu un accord verbal avec Antonio Rudiger, le défenseur de Chelsea, voilà. L'Allemand, qui lui termine son contrat le 30 juin prochain, devrait bel et bien rejoindre la Maison Blanche dès le prochain mercato estival 2022. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que selon toi, l'arrivée d'Antonio Rudiger au Real Madrid est vraiment une bonne idée? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche de notification, ça reste et c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous, merci encore pour les 5000 abonnés, vous êtes les boss, salut!